partie, déjà, la dernière partie de ce En ligne avec Corey Hart, puis ça se passe bien. Ça se passe vite. Pas trop difficile. Non. Tout va bien. Jusqu'aux dates. On a fait des belles chansons, tout est correct. Merci. Donc, on continue encore avec des questions. C'est maintenant une question du public, c'est Philippe qui est là. Corey, je te présente Isabelle. Sa première sortie, Sophie, Isabelle, c'était juste l'autre demoiselle que j'ai parlé tantôt. Sophie, ce qui est important de retenir, c'est que la première grande sortie que Sophie a faite, c'est pour aller voir ton spectacle. Elle a demandé ça à ses parents, puis on dit oui. Ça fait longtemps, là, ça, c'était en 86, et puis elle s'est dit, un jour, je vais pouvoir poser une question à Corey. Puis là, le moment donné, il est arrivé. Hey! Merci, Philippe. Dans ton clip, Black Crowd Rain, il y a encore de la pluie. Puis dans tous tes clips, il y en a. Y a-t-il une signification particulière pour toi, la pluie? Oui, c'est une bonne question. Je pourrais faire une blague, mais je ne ferai pas. Ah oui, oui! Une blague! Des blagues! Non. Ah, ça ne raconte pas à la télé? Ah non, ça raconte. Ah. Non, ça. Mais je pourrais pas le faire en français. Ah. Non, la raison que j'écris souvent avec les thèmes de la pluie. Puis je trouve que la pluie, ça me représente deux choses. Ça représente la tristesse, puis l'angoisse de la ciel. Puis aussi, ça donne la renaissance à la vie. Alors moi, je suis un homme qui aime la dualité, puis je trouve une métaphore très fascinante. C'est pour ça que je l'inclus dans mes chansons. Puis j'aime être mouillé. Alors... Alors maintenant, vous savez tout. D'ailleurs, j'ai vu des programmes de spectacles et puis des pochettes de presse sur toi. Il y a des photos dans la piscine, dans l'eau. C'est vrai que... Dans la piscine? Oui, j'en ai vu une, hein, chez toi. Mais oui, ils ont dans des photos piscine? De toi dans la piscine. Tu t'en souviens pas? Mais oui. Tu y montreras, OK? Mais je peux pas nager. Ben, t'étais jusque-là. OK, nanas. Dans une petite barboteuse. Mais Corey, on parlait de la chanson Black Cloud Rain. Oui. Et puis, moi, je sais pas, il y a un piano là, t'es tout seul. Il me semble qu'on pourrait peut-être aller faire un petit bout. Oh, wow. Ça te tenterait-tu un petit bout tout seul au piano pour nous autres? J'ai pas de choix. Ben, c'est sûr que... C'est sûr que si tu dis non, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont te trouver vraiment pas correct. Vraiment plate. Je vais pas mettre de pression, mais... Non, on y va-tu? Oui, je OK, on y va. Yeah. Moi, je vais m'installer à côté. À puis côté. J'écoute. Mais je ne chante pas. Tu vas t'installer ici? Hein? Tu vas rester là. Ben, je peux rester ici. Non, où est-ce que tu te sens à l'aise? Ben là... Nulle part, chez nous, dans mon salon. Je sais pas. Wow. J'espère que je me souviens les cordes. Improvise. I say that believing was yours and mine to bring. Colors bled, split at night. The sky was crying. And is there a danger that we feel too much? We believe that love survives, so let it conquer. Would I walk 1,000 miles to see your smile? Would I lay me down and die? And then you came and saved me from the black cloud rain. Sweet angel in my arms. And then you cried and washed away the black cloud rains. All my senses came alive. And you touched love so pure, the black cloud rains. Never shadow. Chante avec moi. I don't wanna live in the black cloud rain. I don't wanna follow the black cloud rain. I don't wanna pray to the black cloud rain. Shelter me from the black cloud rain. On a-tu le temps pour un autre petit bout? Non! Corey, merci beaucoup.
Merci infiniment d'être venu nous voir. C'est déjà la fin de l'émission. Ça n'a pas été trop pénible? Pas pénible de tout. Ça s'est bien passé. C'est très gentil de m'avoir accueilli si chaleureusement. Tu nous as fait des belles chansons. Je pense que tu as fait le bonheur de tes fans. Merci beaucoup tout le monde en studio. Merci à toute l'équipe de cette autre en ligne. Merci Philippe. Merci à tous les musiciens. Merci à vous à la maison, tous ceux qui ont appelé, faxé, envoyé des questions sur Internet. Et puis, merci à nos invités surprises, Umberto Gatica et Sonia Benizra qui ont appelé pour Corey. Pas surprise, Umberto, oui. Ben, en tout cas. Tu l'as reconnu, mais c'est pas grave. Je te remercie beaucoup, Corey, encore merci. Une fois. Puis, on te souhaite tout le succès que tu mérites. Puis, on va te suivre en tournée à partir de janvier. Merci beaucoup. Ne manquez pas le prochain en ligne, le 4 décembre, avec Richard Desjardins, une de ses seules apparitions télé sur Musique Plus. Merci, bye tout le monde! Bye.